Hey, salut à toi et bienvenue dans la cuisine de Clément. Aujourd'hui, on va faire une recette d'œuf cocotte, mais pas en cocotte, en poivron. Ça varie un petit peu de la recette que j'avais fait il y a quelques temps, il y a même quelques semaines. Je la mettrai en barre d'infos et un peu par-ci par-là dans nos fiches. C'est une recette qui est très simple et je vais te la montrer tout de suite. Pour cette recette, il va te falloir une gousse d'ail, 3 poivrons, 2 tomates, 50 g de comté, 3 œufs, du sel et du poivre. Première étape de notre recette, on prend les poivrons. J'ai pris là 3 poivrons de 3 couleurs différentes pour la beauté. Si jamais il reste ce petit bout de queue, hop, je vais le couper. Le principe c'est que les poivrons tiennent bien droit. Voilà. Jusqu'ici tout va bien. Mais avant, on va préchauffer le four à 180 degrés. On va couper à la moitié. Juste avant les graines, on fait ça avec tous les poivrons. Je vais enlever les graines. Ça, je les mince finement. Et d'ailleurs, avant de les mincer finement, je mets à cuire une dizaine de minutes les poivrons. Regarde de côté les tomates en petits quartiers. On va passer du côté de la cuisson. Un petit peu d'huile d'olive. Tout simplement faire venir les poivrons et les tomates ensemble. Jusqu'à temps que le mélange soit bien fondu. Ah ! Avant ça, on va couper finement l'ail. Et je rajoute au mélange. Je retire mon poivron. Ah. Bon. Et là, attention, technique. Non, je plaisante, c'est pas technique. Je mets le mélange de légumes. Oh, c'est joli. Petite touche de sel parce que j'en ai pas mis. Attention, c'est très technique, ça doit passer là-dedans sans se casser, enfin, si en le cassant, mais sans que le jaune se casse. Dernière étape, je râpe le comté et on enfourne pour 10 minutes, 15 minutes. Attends, le blanc doit être cuit et le jaune doit être coulant. Ma recette de poivron cocotte est terminée, je vais pouvoir déguster. Du jaune qui coule. Moi j'ai rien à dire, c'est parfait. Merci à tous d'avoir suivi cette recette de la cuisine de Clément. Tu peux liker si ça t'a plu, tu peux même t'abonner. Mon Twitter, mon Facebook et mon Instagram, c'est dans la barre d'infos comme la recette. Très bonne journée et à la semaine prochaine.